Bon bah ça c'est fait. Je peux pas continuer à rejeter tous les problèmes sur moi et sur le monde entier. C'est totalement injuste. Faut bien que j'envoie à quelqu'un, sinon ça veut dire que tout est de ma faute. La faute de personne. Grandis un peu, Rachel et Franck. Ah, la faute à personne. C'est la vie, c'est parfois la merde des personnes, il peut rien, etc. Et Kate Marsh. Oui, Kate Marsh s'est suicidée. Elle est morte, une vraie tragédie. Waouh. Putain, il mâche pas les mots le jeu, hein. Ah mon père, réveille-toi. William. David. Oui, vraiment, carrément même. C'est lui qui a choisi de partir d'ici et de m'abandonner pour toujours. Chloé, ton père n'a pas décidé de te quitter. C'est Max, ma mère s'en veut. Juste parce qu'elle a insisté pour qu'il vienne la chercher. Même moi, parfois, je me dis que c'est de sa faute. Mais j'étais avec toi ce jour-là, c'était un horrible accident. J'aimerais que ça me remonte le moral. Mais depuis qu'il est mort, ma vie est de plus en plus merdique. Tu es toujours là. Tu es toujours là, vivante, avec moi. Et ça, c'est pas un accident. J'ai besoin de toi. Rachel a besoin de toi. Je vais peut-être enfin aller en cours, moi. Elle lui fait la gueule? Non. Chloé. D'accord. Hein? Oh my God. Qu'est-ce qui se passe? Je peux voir le souvenir à travers les photos, genre? Mon pouvoir me permet de voir ce qui s'est passé à travers les photos? Ah ouais? Alors, au point, ok. Alors, c'est plus compliqué qu'on ne le croit. Ok, c'est bon. Non, ok, c'est bon, je l'ai. Ok, je peux voir peut-être un souvenir. Oh, William! Flash Max. Ah non, Max, c'est elle, et elle, c'est Chloé? T'es vraiment pâle. Tout va bien? Oui, tout va bien. William est là, et Chloé est gamine. Je suis remontée si loin dans le temps? Ah ouais, j'ai 18 ans dans mon corps de 13 ans. Mais comment c'est possible? Oh, ça c'est fort le jeu. La vache, je me souviens que Chloé lisait ça jusqu'à aujourd'hui. Il y a plein de choses à regarder, je suppose. Ouais, magazine encore. Foutoir, ok. Chloé était à fond dans les mangas. Ah ouais? Elle me fait penser à Jinx. Enfin du coup à Powder, mais avec les yeux roses du coup. C'est vrai que... Putain, il m'a fait peur, je crois que c'était David. Bien sûr, je peux venir te chercher. Non, n'y va pas. Non. Je dois empêcher William de prendre la voiture aujourd'hui. William, il faut que je fasse un truc. Je dois planquer ses clés. Ok, les clés elles sont sous sa casquette. Barre-toi. Ok, nickel. Score. Hello. Super. Hey, honey. Just making a fabulous break. Faudrait que je les mette où? Cacher les clés. What? Dans le paquet de céréales. Bon. Today, ton père ne va pas mourir, Chloé. Tu ne prendras pas la voiture, William. Tu ne trouveras pas les clés parce que je les ai cachées. Shit, where are those keys? Elles sont pas là, hein? Allez, rappelle-la pour lui dire que... Je savais que ça me servait un jour. Comment est-ce que c'est arrivé? Ah! Non! Je vais les cacher autre part. Attends, en fait, elles font un bip, les clés. Merde, je dois sauver le père de Chloé. Je les ai cachées sous le canapé. J'espère au moins que le son va être atténué. Tu ne trouveras pas les clés. Non! Non, reviens, William n'y va pas. Ok, là j'ai les clés. Pot de fleurs? Non. Au pire, si je les garde sur moi. Bon, et si je les donnais à Chloé? Non, je peux pas. Oh, les foutre dans l'eau! Ah, c'est bon, ça a marché! Bah voilà! Tu pourras pas partir. You can take the bus, right? Mais prendre le bus, non? L'arrêt est à deux pas. Je pourrais, oui. Bien vu, Max. Oh, yes. Le bus est génial! Je parle même pas des bienfaits de l'environnement. Tu te doutes de quelque chose, hein? Mais elle est rousse, en fait, Chloé. Oh, yes. Bravo, tu as sauvé William. T'as dit trop bizarrement, Max. Tu vas bien? Chloé, je suis génial. On est génial. Attends, mais qu'est-ce que ça va changer? Mais ça va tout changer.
Du coup, elle va grandir avec son père. Allô, tu m'écoutes, Maxime? Hein? Max. Pas Maxime. Never Maxine. Je suis désolée, Mad Max. Tu n'es pas fâchée contre moi, dis. Attends, quoi? Attendez, quoi? Elle se comporte trop bizarrement, ça va, Max? Personne n'a écouté quand j'ai dit qu'on ne m'avait pas laissé entrer au Vortex Club. Genre, on s'en tape. Qu'est-ce qui se passe? Warren, il sort avec Stella? Ah! Ah! Je suis complètement. Qu'est-ce que j'ai changé d'autre? Chloé? David? C'est quoi ce retournement de situation là? Mais tout va bien là du coup, y a pas de tempête, y a rien. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? C'est une baleine? C'est quoi ça? Un tsunami? Qu'est-ce qui se passe? Oh! Ah, j'ai pas empêché la fin du monde. Oh là 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 là! Max Caulfield. William, tu prends des vacances après avoir passé des nuits blanches à Seattle? We thought we'd never see you again. On ne peut jamais te revoir quand tu es parti pour la métropole. Non. Je ne ferais jamais ça à Chloé. Speaking of, au fait, je sais qu'elle meurt d'envie de te voir. Une minute. Chloé, tu as de la visite? Oh, mais je vais pas pouvoir pécho Chloé. Qu'est-ce qui se passe? Oh! Chloé? Non. Non! C'est elle qui s'est bouffé le camion. Oh la con.
Je l'ai dit que je voulais plus faire de mauvais choix. Kate, elle est morte. Chloé, elle est handicapée. William est en vie. Warren, il est en couple avec Stella. David, il est conducteur de bus. Oh la con. Vous avez laissé l'argent, comme 49% des gens, bon ça va. Vous avez embrassé Chloé, comme 77% des gens, oui. Vous avez pris parti pour Chloé, comme 81% des gens. Vous n'avez pas laissé le chien de Franck être blessé, 93%. Bah attends, frérot, il y a 7% des joueurs qui se sont dit, bah tiens, on va buter un animal. Non mais ça va pas. Bon, ok, donc là, de ce que je vois, dans tous les cas, c'était ça la fin du 3. Mais c'est... Quoi ? Et des meufs en sous-vêtements, c'est tout ce que j'ai retenu. Bon, et bah c'est super tout ça, hein.